Tu regardais « Les beaux dimanches ah, » oui. et je pense qu'il y a une pièce de Michel Tremblay justement que tu as vue au beau dimanche qui a aussi marqué ah ton oui. enfance et qui t'a donné le goût du théâtre. Ah oui, j'ai vu en pièce détachée de Michel Tremblay que vous avez peut-être vu au beau dimanche. Euh, j'ai eu un choc. Là, tout à coup, ces gens-là parlaient comme moi, la même langue, mm -hmm. le même accent, habitaient dans des appartements qui ressemblaient à, aux appartements dans lesquels moi j'habitais. Et là, j'ai vu le nom de l'auteur, j'ai vu Michel Tremblay. Oui. Là, j'ai fait. Le même nom de famille que toi. Oui, puis c'est naïf, hein, oui. j'avais huit ans, puis là, j'ai fait. Ah, ben peut-être que ça se peut alors devenir une artiste, même quand on s'appelle Tremblay. Ça t'a ouvert cette oui. porte-là. Ben la permission, on oui. dirait, mais il a fait ça à moi et à, à plein, plein, plein de monde, Michel Tremblay, nous a donné, comme la permission de croire qu'on pouvait faire une carrière artistique, mais plus encore, même si on devenait pas des acteurs, que nous on se pouvait comme personnage, oui. comme dramaturgie. Parle-moi donc de, du plaisir ou, ou de la difficulté de jouer euh, Michel Tremblay. Ça c'est une bonne remarque Catherine parce que tu sais quand on joue du Tremblay, tout le monde pense que c'est très très facile sous oui. prétexte que c'est notre langue. Mm -hmm. Mais j'ai trouvé ça très difficile. Parce que c'est notre langue, mais notre langue des années 60 aussi. Parce oui. que Nana, c'est une femme des années 50-60. C'est des mots qui, des fois, on n'emploie plus. Mm -hmm. Comme à un moment donné, la régisseuse, elle me disait Je ne sais plus comment te le dire, Hélène, il faut dire en dessous. Pas en dessous, c'est en dessous. Oui. Puis là, ça faisait Oui, c'est vrai, parce que c'est important. Puis moi, il y a une musique à hein, Tremblay, il y a une ça. musique très une particulière dans, dans oui. son phrasé. Puis je me disais, c'est pas vrai que, que parce que c'est écrit en québécois que je vais changer, que je vais mettre des synonymes. Je le fais pas pour Tchekhov. Mm. Donc pourquoi je le ferais pour Tremblay? Absolument. Pour moi, ça avait pas de sens. Est-ce que tu te souviens des premières fois que tu as joué, les premières fois où tu as interprété des rôles? Tu t'es sentie comment? Est-ce que ça a été comme justement une révélation de Ah, oh, je suis à la bonne place? Ou ça a été euh, difficile ou stressant? Non, écoute, c'était. c'était, J'avais juste le mot enfin à la bouche. Tu sais, oui. quand tu fais quelque chose, puis tu. Ça, ça, ça fait. Mais comment comment j'ai pu être des années? Comment j'ai pu attendre, attendre aussi peur. longtemps? Oui, c'est ça. Oui. Puis quand j'ai joué, je voyais toutes mes amies terrorisées euh, au conservatoire, les premiers exercices qu'on faisait, puis. C'était épouvantable. Puis moi, j'avais juste hâte d'être là. C'était enfin, enfin ma place. Oui. Que j'avais trouvé ma place pour moi. C'était censé être ta place tout de suite. Oui. Puis, puis par la suite, puis je le dis souvent en entrevue, tu sais, il y en a qui disent, oh, mon Dieu, monter sur scène, bien oui, ben oui, c'était peurant. Puis ben oui, on a le trac, puis tout ça. Mais la vie est beaucoup plus euh, dangereuse. Que la scène, que le spectacle. La vie, c'est un grand match d'improvisation. Oui, <laughs> oui, oui. C'est ça. À la chaque vie. instant. Tandis que tout à l'heure, je vais être sur scène, mais je sais à qui je vais parler, je sais ce que je vais lui dire, puis je sais ce qu'il va me répondre. Les déplacements, exact. Tu sais où tu vas aller? Dans vie, là, on le sait plus.